Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, mission de vie, le message que je peux partager avec vous lié à votre mission de vie. Donc je vais aller zoomer au niveau d'une mission de vie d'une personne, de sa mission de vie. Et on va aller voir tout ce que je peux partager avec vous. Partager avec vous. Alors, c'est mission de vie dans dans le portail énergétique. En sachant que le portail énergétique du 11-11 sera très très rapproché de la nouvelle lune aussi. Il y a quelques jours d'intervalle, donc tout sera très... là, il va y avoir beaucoup, beaucoup... Ça va être très 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 puissant. Alors, je prends le précieux conseil message pour votre mission de vie. Portail, donc, le 11-11, portail énergétique du 11-11... Sur le portail du 11-11, précieux conseil, message, encouragement, n'ayez pas peur, croyez seulement. Donc de ne pas avoir peur, on vous recommande de ne pas avoir peur et de croire seulement. De ne pas avoir peur de votre mission de vie, de ne pas avoir peur et de croire. De croire en vous, de croire en l'univers, de croire en la vie, de croire en tout en fait. De croire en vos capacités, de croire en vous, en vos talents, en votre magie, en votre selon votre mission de vie, selon ce que vous mettez en créer, mettez en place, en œuvre. Voilà. Alors, je prends le précieux conseil message d'amour et de lumière. Ici, alors la délicatesse est la voie de la paix. Donc là, la délicatesse dans ce portail du 11-11, dans votre mission de vie, faites preuve de délicatesse. Voilà. De continuer ou alors d'être délicat, délicatesse. Apporter de la délicatesse, une touche de délicatesse. Ou alors d'être encore plus délicat, délicate. En tout cas, la délicatesse, c'est la voie de la paix. Et votre mission de vie, c'est la voie de la paix. C'est une mission de vie tout en délicatesse. Allez, je partage. Alors, dans ce 11-11, pour une personne, c'est du général, vous faites bien preuve de discernement. Donc, mon écrit est là, je le partage. Alors, pour une personne, je peux avoir dans ce portail du 11-11, j'ai sur votre mission de vie, tout se transforme. J'ai une transformation de votre mission de vie, tout se transforme. Alors, il va y avoir une transformation au cœur, au centuple, hein, au centuple de votre mission de vie. Il va y avoir quelque chose de très fort, de très puissant qui va se transformer dans cette nouvelle lune, enfin, dans ce 11-11 et avec la nouvelle lune couplée, hein, parce qu'il y a les deux en même temps, en fait. Hein. J'ai aussi que vous allez réussir. Je vois que vous allez réussir à vous... Vous avez peut-être, vous rencontrez peut-être un blocage sur votre mission de vie, peu importe quel qu'il soit. Et je vois que vous allez réussir à vous débloquer d'un dernier blocage. Peut-être que le dernier blocage que vous avez sur votre mission de vie, c'est peut-être un manque de visibilité. Mais je vois, en fait, il va être de retour dès ce portail du 11-11 couplé avec la nouvelle lune. Ça va être de retour, la visibilité va être de retour. C'est peut-être un dernier blocage. Ou alors, c'est pas ça, c'est... Ou peut-être vous avez un manque de visibilité. Et aussi, vous avez un dernier blocage. Vous rencontrez un dernier blocage lié à votre mission de vie, peu importe quel qu'il soit. Donc la visibilité va être de retour.
Desportail, hein. Votre mission de vie, là, ce Desportail se transforme au centuple. Vous allez être, vous allez être impressionné à tel point que votre mission de vie va se transformer. Et vous allez réussir à vous débloquer d'un dernier blocage. Alors, je dis vous débloquer d'un dernier blocage parce que c'est peut-être vous qui dites que vous êtes bloqué dans un blocage. Et peut-être que vous avez en plus de tout cela un manque de visibilité, mais tout va être de retour. Vous allez réussir à vous débloquer d'un dernier blocage. Et vous allez récupérer en visibilité. Et là, vous allez avoir des portails, votre agenda qui va être plein à craquer, hein, lié à votre mission de vie. Dès que tout ça se libère, se débloque, que vous allez vous débloquer d'un dernier blocage et que la visibilité, votre visibilité va remonter au niveau de votre mission de vie, votre agenda, en fait, ça va s'enchaîner, hein, ça va s'enchaîner. Il y aura peut-être quelques jours, un petit laps de temps de progression, mais pour moi, vous allez avoir votre agenda qui va être plein à craquer, hein, lié à votre mission de vie, d'accord? Donc là, de toute façon, c'est un déblocage sur la situation. Vous allez réussir à vous débloquer d'un dernier blocage. Alors, ça peut être, donc voilà, ça peut être lié à la visibilité ou pas du tout. Hein. Et vous allez aussi récupérer... Il y a un retour de votre visibilité aussi. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. C'était un réel plaisir, bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. À vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire, à mettre des pouces. Je vous souhaite un merveilleux 11-11, nouvelle lune. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. À bientôt!